Salut à tous, on se retrouve pour la remise en vente des items achetés. Du coup, on commence avec un MacDisk Carnivore 9. Alors, celui-là j'ai acheté à 27 centimes. Donc on va regarder un petit peu, j'ai pas d'historique du passé. Alors on va tout simplement le tenter à 27, 37, 40. 40 ça me paraît très bien. 40 ça fait 36. En général 5 centimes de bénéfice ça me suffit, donc 32. 32 ça ferait 36. Go, le mettre à 0,36. Je manque un peu d'argent en ce moment, j'ai pas envie que mes ordres d'achat déjà positionnés soient annulés parce que j'ai plus l'argent pour les déclencher. Alors on va mettre à des prix pas trop. Alors le Sword of Yorick tout simplement. 2 secondes, Sword of Yorick. 9, acheté à 40 centimes, je le revends à 48 centimes habituellement, donc il est déjà au niveau du prix. 48 ça me fait combien? Ça me fait que 2 centimes de bénéfice, donc go la règle des 10, go le mettre à 50 centimes, ça fera 4 centimes de bénéfice net. C'est pas ouf, mais bon. C'est comme ça. Le Scar Stratigraphie. Alors, hop, j'y suis. Scar Stratigraphie. Ok. Marqué par les combats, 13 centimes. Donc 17 centimes, j'ai pas d'historique dessus, mais 17 centimes, ça fait déjà 2 centimes de bénéfice. Go voir si je peux l'avoir à. Go le mettre à 0,18, 18 ça fait 3, 0,19 c'est vraiment pas mal. Ouais, 4 centimes de bénéfice en investissant 13 centimes, c'est vraiment pas négligeable. Go, ouais, go faire pour tous les P2000, parce que là je vais partir en. Enfin, je vais faire trop de pages à la fois inutilement. Alors, le pistolet usé acheté à 26 centimes, revendu à 38 habituellement, donc on va faire comme d'habitude. 0,38 tout simplement. Hop là, ça fait 8 centimes de bénéfice net, ce qui est énorme. P2000, P2000, non. Tout, 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 tout. Ah, le P2000 Impérial 9. Je crois que je le joue. Donc, je sais. Non, ça fait trop peu de temps. J'aimerais pas vendre les skins que je joue, mais bon. Je crois que je le joue pas. 30 centimes, on n'a pas d'historique dessus. On va faire la règle des 10 centimes. 40 centimes, c'est très très bien. Oui, je vois qu'il est déjà bien parti ce mois-ci à 40 centimes. C'est parti, ça fera 6 centimes de bénéfice net, ça me suffit. Alors, P2000 encore. Toc, 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 toc. Non. Toc, 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 toc. Oui, le océanique usé, ok. Océanique usé, acheté à 9 centimes, on le revend 12 centimes habituellement, donc parfait. Ça fait 9 centimes, ça fait 1 centime de bénéfice, c'est pas ouf. Go le mettre à 13 au moins. 13, ça fera 2 centimes. Ouais, ça c'est vraiment pour gruger un peu d'argent pour que ça tourne quoi. Ouais, c'est pas forcément nécessaire de placer des ordres d'achat là-dessus, moi c'est vraiment parce que j'aime bien. Il y a des skins beaucoup beaucoup plus rentables. Mais bon, en attendant que les skins rentables me rapportent, je fais cela. Par exemple, celui-là, voilà, acheté à 27 centimes, je le revends à 40 ça, habituellement. Est-ce qu'il y avait des stickers? Non, même pas. Sans stickers, go le revendre à 0,40. Par exemple, lui, il va me faire 9 centimes de bénéfice, ce qui est pas mal. Hop, ouais, Steam, ils ont souvent des problèmes, ça c'est ultra énervant. Ok, tac, 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 tac. Ok, toujours pas de P2000. Toujours pas. Ok, P2000, StatTrek Océanique usé. Alors, Océanique, StatTrek usé. 33 centimes et 49. Donc, acheté à 33. Donc, pas ultra rentable là, mais bon, on va le revendre à 0,49. Voilà. C'est vraiment sur les pics, hein. 0,49, ça me ferait énormément d'argent. Ça me ferait 10 centimes. Ouais. Au bout d'un moment, il va partir, on le sait bien. Ou au pire, je le jouerai ou je baisserai un peu le prix plus tard, mais bon. Là, c'est pas mal. 0,49, l'historique dessus, ça me va. Tout, 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 tout. Ah, c'est celui-là que je joue, voilà. Ok, on arrive au bout des P2000, on repart. Touk 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 touk, on commence. Là, tiens, le GS3G1, sable noir. Tac 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 tac. Sable noir MC, 17 centimes 27, voilà, règle des 10, ça c'est déjà parti à 0,27. Ça me fait 7 centimes de bénéfice, ce qui est pas mal, on avait 100 que 17 centimes. Moi, ça me va, franchement. Après toute leur marge et tout. Il me reste encore tout ça. GS3, j'ai souvenir comme flash polaire, ok. Souvenir MC, acheté à 18 centimes, revendu 22. C'est pas énorme pour un souvenir. Je peux tenter vraiment, ouais, 0,28 au moins. Avec des 10, ce qui me ferait 7 centimes de bénéfice en investissant 18 centimes, ce qui serait vraiment pas mal. Alors, G3, G1, juste tac tac tac. 4 minutes 40, ouais. On va faire last item, ça fait déjà 5 minutes. J'ai pas envie que ce soit trop long. Préfère en faire un peu plusieurs. Très peu usé, 39 centimes déjà vendu. J'ai pas de souvenir sur l'achat, j'ai pas marqué. Donc go le revendre encore à 0,39 centimes. Ça doit être rentable. Ouf.
Voilà. La prochaine fois, je noterai à quel prix je l'ai acheté. J'ai dû sauter ce moment-là. Ah là, on arrive au bout de cette vidéo. Bon, je vais juste en tourner une autre. Pour pas être trop long. Enfin bref, il me reste encore plein d'items à vendre. On se retrouve. Ciao, ciao. N'hésite pas à me dire si tu veux aussi la partie où j'achète les skins. Voilà, ça peut être intéressant. Là, je te mets juste la partie où je vends. Mais bon. De toute façon, je te la résume, la partie où j'ai acheté. Donc voilà.